Votre chariot vert permet d'éviter que vos déchets alimentaires n'aillent à la décharge en les envoyant au compostage. Commencez par recueillir vos déchets alimentaires dans votre seau de cuisine au lieu de les mettre à la poubelle. S'il y a des restes dans votre assiette, mettez-les directement dans votre seau. En utilisant un sac compostable, un sac en papier ou une doublure maison en papier, votre seau restera propre. Ou vous pouvez simplement le rincer après chaque utilisation. Les déchets alimentaires des chariots verts comprennent les restes de fruits et de légumes, les coquilles d'œufs, la viande, les os et le fromage, le pain, les pâtes, le riz et les grains, les pâtisseries, le café, les filtres à café, le thé et les sachets de café, les serviettes en papier et les mouchoirs. Les sacs plastiques certifiés BPI sont les seuls sacs plastiques acceptés par le programme. Cherchez ces symboles sur l'emballage. Les autres sacs plastiques ne sont pas compostables. Vous ne pouvez donc pas les mettre dans votre seau ou dans votre chariot. Certains articles compostables ne sont pas acceptés par le programme, comme l'huile et la graisse de cuisson, les contenants alimentaires et les couverts compostables, les excréments d'animaux, les couches et les autres produits sanitaires. Ces articles ne sont pas acceptés car ils ne sont pas compatibles avec nos installations de compostage existantes. Leur place est aux ordures. Continuez d'utiliser notre programme de déchets de jardin pour toutes les feuilles, le gazon coupé, les plantes et les petites branches. Une fois que votre seau de cuisine est plein, videz-le dans votre chariot vert. Mettez votre chariot sur le trottoir ou dans votre allée avant 7 heures du matin, le même jour que les ordures et le recyclage. Assurez-vous de mettre vos chariots à au moins un mètre les uns des autres et d'autres objets. Utiliser votre chariot vert est simple et bénéfique pour l'environnement. Si vous ne savez pas si quelque chose est compostable, rendez-vous sur notre site web à winnipeg.ca/déchets alimentaires.